Nous avons fait des vidéos pour dire que nous avons souffert. Nous avons dit qu'elle a souffert près de 9 ans avec des bordeaux de confort. Je ne peux pas t'en vouloir. Ngono, l'esprit qui t'anime, ce n'est pas toi. Ngono, l'esprit qui t'anime, ce n'est pas toi. Ce n'est pas pour dire que l'amour y est. Je peux accepter que tout au long d'une relation, que ce soit de 0 à 9, les priorités peuvent changer. Mais comment tu rentres dans ma vie? Tu rentres en mode relation ou bien tu rentres en mode situation? Le conseil que j'aimerais donner à tout un chacun, c'est que ne confondez pas les choses. Je suis un maître de la nature amour. C'est-à-dire amour. Je suis un maître de la nature de la vie. Je peux te conseiller et j'ai plusieurs facettes. Ngono n'a pas maîtrisé mes facettes. Ngono s'est figé son nom sur une facette du débordeau qu'elle a entendu parler. La star. Elle a idéalisé la personne. Alors que ce que débordeau avait réellement recherché, c'est une personne qui vient en tant que nature. Et ensemble, on allait stériliser, on allait peut-être se reconstruire. Parce que quand Ngono me connaît, je suis effectivement au fond du gouffre. Voilà comment Ngono a réussi à aider débordeau à me donner de l'espoir, du réconfort. Et aujourd'hui, là où on arrive, je déplore et je ne suis pas allé avec. Ngono, je ne suis pas ton ennemi. Ngono, je ne suis pas ton ennemi. J'ai été sur la page de Aïcha Kamoaz où j'ai eu à détailler certains faits que tu as peut-être commis. Mais je ne peux pas rentrer parce que je continue toujours à te respecter. Contrairement à toi, tu m'exposes, Nanani Manchin. Je ne vais pas parler parce que tu es camerounaise, non. C'est l'homme en question. Que tu sois camerounais, jamaïcain, japonais, non. On ne va pas stigmatiser, non. On parle au nom même de la personne, de l'homme en fait, de la personnalité de chacun de nous. Nous sommes des hommes. C'est les problèmes qui peuvent arriver à tout un chacun. Je suis une femme, je suis un homme. C'est des problèmes qui arrivent, il y a des hauts et des bas. Maman, tu n'aurais pas eu besoin de t'aider, ça servit à quoi de s'exposer là? Moi-même là, même là, émotivement, je suis allé, j'ai porté plainte dans les manches, mais c'est non indépendant de ma volonté, je n'ai pas cette force-là. Mais toi, ce que tu sais, ce qui nous emmène là-bas, sous l'emprise de ces pressions occultes, de ces pressions ritualistes, de ces pressions, on va dire, spirituelles et mystiques, on s'engage dans ce qu'on ne peut pas voir. Et on pense qu'on est fort. Non, là où tu es, tu penses que tu es fort. Et moi, où je suis, je pense que je suis fort. Non. Aujourd'hui, là, sans te mentir, ce qui était là n'est plus là, on l'accepte. Elle n'aurait pas dû afficher le maître. Le maître. Non. Ceux qui t'encouragent, et t'expliquent, ceux qui t'encouragent, ce sont mes ennemis qui t'ont encouragé. C'est mes ennemis qui t'ont induit en erreur. Parce que tu as baissé ta garde dans la prière. Tu as baissé ta garde dans la prière. Le Dieu que tu priais, Ngono, tu as baissé. Ngono, tu n'aurais pas dû. Aline Sandrine, tu n'aurais pas dû, Ngono. Tu comprends? Mais cette perception de la vie qu'on voit, il y a celui qui voit le meilleur qui est en toi, quelle que soit la difficulté, s'il s'engage à être prêt à affronter, maman, dépose. Où est ma petite Gabi? Où est ma petite Gabi? Gabriela. Umbarga, Akamba, Gabriela, elle est où? Elle a scolarisé dans une école française. Rien que pour ta personne. Parce qu'il y a, il y a du meilleur en toi. Il y a du meilleur en toi. Je sens que là où tu es, tu pleures à tout moment. Tu pleures à tout moment. J'ai vu ta vidéo. Ce n'est pas cette mine que j'ai laissée. Ce n'est pas cette mine. Ngono, tu affiches aux gens, tu dis aux gens que tu m'as laissé. Non, je ne suis pas dans... Je ne suis pas de combattre mon ego. Ou je ne suis pas d'un concours d'ego. Non, Ngono, non. C'est pas ça. Inconditionnellement, je suis arrivé. Je suppose que c'est pareil pour toi, Ngono. Regarde comment tu deviens. Toute la toile en parle. Tout le monde parle de toi. Tout le monde parle de débordeau. Mais Ngono, c'est pas en ta faveur. Réveille-toi. Tu t'engages dans des situations tranquillement. Tu tombes dans les bras de certaines Ivoiriens. Certaines Ivoiriennes, pardon. Ou même certains Ivoiriens qui en veulent même à débordeau. Qui sont même fans même de débordeau. Qui ont envie de récupérer ta place. Mais tu te mets dans la peau de celle-même qui veut persécuter l'élément en question. Non, ne le fais pas. Ngono, il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. Ngono, je veux être de façon, c'est-à-dire, tu n'as pas épousé un docteur, tu n'as pas épousé un directeur de société qui va rentrer à 19h et puis va rentrer. Tu me fais passer pour le pervers narcissique, Ngono. Mes frères et sœurs connaissent la réalité de ce qu'on a vécu dans cette relation. Mais je ne vais pas leur demander de détailler. Ma grande sœur est ici. Je vais l'appeler. Voilà ton téléphone ici. J'ai tous les appels dans ton téléphone. Ngono, je ne vais jamais t'afficher. Ça, c'est une personne qui a aimé sincèrement. Je ne sais pas si elle aimé sincèrement parce que ce qui est venu dans ton téléphone, je ne sais pas si c'est au nom du charme ou bien c'est au nom de la vérité.
ou bien au nom de l'amour. Maman, je dépose les armes. Arrêtons de se titiller. Je te demande pardon. Je te demande pardon. J'ai fait appel à tous les Camerounais. Appelez votre soeur. J'ai été clair chez Aïssa Kamoura. J'ai été vraiment impulsif. J'ai lancé ce qui a lancé. Mais moi-même, je m'en veux. Aïssa a voulu me faire sortir de mes gants. Mais je n'ai pas ça en fait. Il faut respecter l'homme. Je suis sûr que dans ce direct, il y a des personnes qui sont réellement spirituelles. Quand vous allez regarder dans les yeux de cette fille qui fait des vidéos me concernant, vous allez comprendre que cette fille-là n'est pas là où elle doit être. Elle est sous l'emprise de quelque chose. Et j'ai mal. 9 ans. Angouane. C'est comme ça que je t'appelais toujours. C'est vrai, c'est fini. Mais je ne peux pas. Je ne t'en veux pas. C'est la vie. Ça commence et puis ça s'arrête. Angouane. Tu dis que moi, tu as pris plainte contre moi. Je suis là partout dans tout Abidjan. Si tu es femme, ben, tu me ramènes la plainte. Mais on t'envoie la plainte. Tu fuis partout. Tu te reproches quoi? Tu te reproches quoi? Je suis prêt. Je suis prêt. Hein? À enlever et à retirer même tout ce qui est plainte. Parce que je sais ce que tu as fait. Je suis prêt à le faire. Parce que tu ne mérites pas ce que tu vis. Tu ne vas pas sortir d'un foyer te faisant blaguer par des personnes, mes ennemis, et te blaguent, tu sors du foyer. Ils finissent avec toi, ils te mettent dans une maison. Ils finissent avec toi et au lycée, les mêmes là qui te chassent encore de la même maison, du même appartement où ils t'ont déposé. Non, tu ne mérites pas ça. J'ai mal. Ça dit, pendant que je suis en train de m'occuper des enfants de l'autre côté de la France, toi, tu es en train d'essayer de t'estéroïser, de mener, de te médaler. Et les gens viennent t'endormir. Des bordeaux ceci, des bordeaux à tchouin. Dis qu'on dit Mungono, tu m'as jamais fumé la drogue. Tu m'as jamais fumé la drogue. Je ne fume pas la drogue. Mungono, réveille-toi. Ne laisse pas certaines. Il y a les filles qui sont fans de moi, qui veulent baiser avec moi, coucher avec moi, t'endormir. Mungono, je ne vais même pas parler au nom même des Camerounais, non. Tu es une femme. Femme là, copinage détruit toujours la femme. Copinage détruit toujours la femme. Ngono, je ne vais pas relater notre vie de protéger. Aïssa Kamoura, elle connaît un peu. Et tellement Aïssa connaît réellement un peu et elle est sûre à 100%. C'est que la vérité là. Elle ne s'en connaît pas. Aïssa Kamoura dit, je ne sais pas comment je vais départager les deux parties. Mais c'est plus fort qu'elle. Parce que les paroles et le ressenti, c'est du puissant. Ngono. Des Bordeaux, tu n'as pas perdu, mais tu as perdu des Bordeaux. La suite, là. Moi, je vais seulement prier pour toi. Je vais prier pour toi, parce qu'en toi, il y a des grâces. En toi, il y a plein de choses, il y a du bonheur. Mais l'instabilité et la réalité de toute une vie, de par l'éducation de nos parents. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places. Avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couverts, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés, le Didier avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques. Un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.